Hey, salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais te parler d'une stratégie, d'une force que tu peux avoir, que beaucoup se passent. Et pourtant, les plus grands dans le monde qui font du business cartonnent grâce à ça. Tu peux faire beaucoup d'argent grâce à ça. Je vais te montrer un exemple concret. Et je profite de ce moment parce que j'ai pas grand chose à faire. En fait, j'étais sur mon ordinateur là dans la voiture. Ouais, bon, en bref, je suis bloqué dans la voiture pendant 45 minutes. Du coup, je me suis dit, je vais profiter pour tourner la vidéo maintenant. Donc, comme d'habitude, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à répondre à la question qui va être cachée dans cette vidéo si tu veux participer au concours et tenter de gagner un des cadeaux que je remets chaque mois. Alors, je sais pas si tu te souviens, l'année dernière, il y a un an et demi maintenant, j'étais parti à New York voir Gary Vee. Et j'avais retenu un truc important de lui, c'était le teasing, de pouvoir teaser ton offre avant qu'elle sorte. Et on peut le voir sur plein d'entreprises connues comme même par exemple Apple qu'on connaît tous. Le jour où le nouvel iPhone sort en septembre, il y a une queue énorme devant les magasins à New York, etc. partout. Je suis là depuis mardi 6h du matin. J'attends depuis mercredi soir à 18h. Mais pour l'iPhone. Mais toutes ces personnes-là ont un point commun, toutes ces entreprises ont une communauté. Elles ont des gens qui les suivent. Alors si vous n'avez pas de blog, un site qui génère du trafic, une communauté à travers des vidéos, vous allez devoir payer de la publicité pour teaser votre offre. Et ce sera moins fort parce qu'en payant de la publicité, vous allez tomber sur des gens qui ne vous connaissent pas. C'est du trafic froid. Donc c'est des gens, vous allez leur teaser une offre, ils ne savent même pas déjà à la base que vous vendez. Ils ne vous connaissent pas. Donc ce sera moins puissant. Mais vous pouvez quand même le faire. La force du teasing, c'est quoi? C'est de donner faim aux gens en fait. C'est que les gens vont se dire, ah ouais, il y a ça dans ce produit, ah ouais, ça va résoudre ce problème-là. Ah ouais, ça va aussi résoudre ce problème-là. Par exemple, il y avait un Américain qui vendait son programme de nutrition et il avait fait un truc hyper malin. Il avait teasé son programme de nutrition plusieurs semaines à l'avance. La première semaine, il avait fait une vidéo qu'il avait même monétisée. Donc, il avait utilisé la communauté plus la publicité pour élargir tout et montrer son teasing au plus de gens possible. Première semaine, il avait fait « j'ai pris 40 kilos ». Donc, en fait, il expliquait que pendant les deux derniers mois, il avait fait que manger McDo, que de la malbouffe, il a tout filmé. Il avait pris plus de 40 kilos. Donc, tout le monde était un peu interpellé, tout le monde s'est un peu accroché à son truc parce qu'à la fin, il a dit attendez la suite, vous allez voir, je vais me donner un défi improbable de tout perdre en je sais plus, c'était quelques semaines, c'est très peu de temps, ça paraissait improbable. Donc là il avait déjà lié tout le monde voulait voir la suite. Une semaine ou deux après, il avait déjà perdu plus de 10 ou 15 kilos par rapport aux 40 qu'il avait pris avant. Donc c'était dingue, on disait waouh, comment il a fait. Il voulait pas parler de vente, il disait mais comment tu fais, etc. Il disait non, ça m'intéresse pas, je vais pas vous parler de vente ni rien, etc. Très malin. Semaine 3, semaine 4, il apportait de la valeur. Il disait voilà, je vais vous donner un petit conseil, je prends du jus de citron à telle heure, etc. Je bois ça, machin, je fais ça, etc. Donc il apportait beaucoup de valeur, mais sans trop en dire, un tout petit peu. Du coup les gens ils se disaient putain, rien qu'avec ce petit conseil je vais essayer, je vais être à fond. Ils étaient hyper accrochés parce qu'il avait réussi à les interpeller dès le début avec sa prise de 40 kilos et sa perte rapide. Et bref, la fin de l'histoire c'est qu'il avait perdu tous ses 40 kilos, il avait un corps parfait, il avait fait un avant après de dingue. Et derrière en fait il expliquait que pendant toutes ces semaines, tous ces mois, il avait tout noté sur un calepin, donc il montre tout, qu'il avait pris des notes de tout, de ses réactions, de son corps, de tout, des rendez-vous avec les médecins qu'il avait eu, etc. Ce qui était très suivi. Et il en avait créé un programme très complet pour perdre du poids aussi à votre tour. C'était hyper malin, on était dans l'histoire, on était à fond et tout le monde du coup voulait comprendre tous les conseils, tout voulait tout savoir sur comment il avait fait pour prendre du poids autant et surtout en perdre autant derrière. Mais ce qui a marché, c'est qu'il a teasé les gens avant, il a parlé de l'offre sans en parler en fait, il les a immergés dans le truc. Personne ne voyait qu'il allait vendre quelque chose derrière, mais en fait il l'a vendu et ça s'est fait naturellement. Et ça, c'est une forme de teasing. Et c'est pas facile à faire parce que souvent quand on a un produit qui est déjà prêt, on sait qu'il va pouvoir aider les gens et on a trop hâte de le tester en fait, on a envie de le lancer tout de suite. Mais le plus intelligent, c'est de chauffer l'audience, de leur donner faim, de leur donner envie de par des résultats. Il n'y a pas mieux que de montrer les résultats. Là, ce qu'il montrait, c'est qu'il arrivait à perdre du poids rapidement, donc il résolvait vraiment le problème des gens. C'est ça que les gens veulent, perdre du poids dans sa niche. Si je prends la niche de l'argent, il aurait pu montrer qu'il gagnait des dizaines de milliers d'euros par semaine. Toutes les semaines, il aurait montré ses statistiques. Il montre, il gagne des milliers, gagne des milliers, gagne des milliers, il dit qu'il va rien vendre. Et puis au bout de 2-3 mois, il dit bon bah si vous voulez, je vous apprends comment j'ai fait pour gagner des milliers, j'ai pris des notes de partout, etc. Il aurait pu reparler dans le piano, il aurait pu partir de zéro et puis apprendre le piano en 1 mois, 2 mois, 3 mois. Il aurait dit j'ai pris des notes de toutes mes erreurs, etc. Il aurait pu faire le même teasing et vendre un cours de piano en ligne derrière. Il aurait aussi pu le faire avec un produit physique. Je sais pas, il aurait pu se mettre au running, tester plein de chaussures de running pendant 3 mois, essayer de parcourir, je sais pas, 150 km en courant, faire un challenge de dingue. Donc il teste toutes les chaussures, il devient puriste là-dedans. Puis au final, il prend des notes sur toutes les chaussures, tout ce qu'il a testé, il développe la sienne et il dit qu'elle contourne tous les problèmes qu'il a rencontrés avec toutes les paires de chaussures qu'il a achetées et les gens achètent. C'est une forme de teasing où on entre les gens dans l'histoire. C'est vraiment là-dessus que je veux vous amener, c'est vraiment là-dessus que de une, je trouve ça passionnant parce que vous allez pouvoir créer un vrai lien avec les gens et rien ne vous empêche de lier communauté et publicité.
C'est-à-dire que vous faites des vidéos comme ça pour votre communauté qui va grandir et sûrement vous découvrir, vous faites quelque chose d'atypique. Plus vous pouvez mettre de la pub sur vos vidéos pour que ce soit vu encore plus de personnes si vous débutez et que plein de gens se mettent un peu dans ce challenge et se prennent au jeu quoi. Donc voilà, c'était vraiment une petite info que je voulais vous partager parce que j'ai vu beaucoup de réussite par rapport à ça, mes tests personnels que je vous partagerai très bientôt et sur des clients, sur plein de choses. En ce moment c'est teasing, je vois vraiment des choses qui fonctionnent bien avec ça. Donc je voulais vous le partager, au moins l'idée et quelques petites idées de mise en place. J'espère que ça vous aura aidé et que vous allez l'implémenter. Et ma question pour toi, tu t'en doutes, est-ce que tu as déjà pensé à faire ce genre de stratégie de teasing ou pas? Dis-moi ça dans les commentaires. N'hésite pas à liker, à t'abonner si cette vidéo t'a plu. Et moi, je te dis à très bientôt pour la prochaine. Ciao! Bah aujourd'hui je suis indépendant et je peux le dire, c'est vraiment grâce à Antoine. Antoine Bougan, qui est un super entrepreneur que j'ai d'abord connu à travers ses vidéos YouTube et ensuite j'ai eu la chance de le voir en vrai et surtout de l'écouter à travers une conférence qu'il a fait à Paris. Je suis à Los Angeles du coup pour quelques semaines. Merci Antoine, c'est grâce à toi, c'est grâce au sous que j'ai pu gagner grâce à toi. Antoine Bougan, il y a quelques bons formateurs sur internet qui donnent des bonnes choses, mais pas autant que lui. Hein. Vraiment, lui, sa formation, elle est au top. Mais c'est surtout le plus important, le suivi d'Antoine. Merci Antoine. Type vraiment génial. Business de 4300 euros en un mois. Ça va changer la vie de beaucoup de personnes. Je recommande Antoine Bougan. La plus belle connaissance que j'ai eue depuis très 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 longtemps. Je te remercie. Merci. Je te remercie. Merci à toi Antoine. Ça va changer la vie de beaucoup de personnes.